It is not how you start; it is how you finish. Not often in the World Cup's stellar environment has one so mighty been rendered so vulnerable so soon. News and Argentina are out. Argentina and Messi the great, marching here to stay alive, feeling the heat, feeling the obligation, the unforgiving scrutiny. Every lens, every eye, on every touch and turn and wins and smile. There is nowhere to hide. Qui est ton idole parmi les joueurs? Maradona. Leo. Léo, je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. Que tu assures. Que. Laisse les autres dire que tu seras le meilleur joueur de tous les temps. On en reparlera quand tu seras en fin de carrière. Pour le moment, fais-toi plaisir. Profite de ta famille. Je t'aime beaucoup, Léo. Vraiment. Dans deux matchs, c'est terminé. C'est la fin, c'est le terminus, tout le monde descend. Peu importe l'issue de cette Coupe du Monde, que ce soit un match pour la troisième place ou une finale de Coupe du Monde, dans deux matchs, c'est terminé. Après avoir gagné la Copa América, c'est le dernier objectif de sa fin de carrière, de sa carrière même. L'objectif de toute une vie, le seul trophée, le seul titre qui manque aujourd'hui à la longue carrière remplie de trophées de Lionel Messi. Aujourd'hui, donc, faut en profiter. Moi, à titre personnel, je vais profiter, je vais kiffer chaque dernier instant, chaque dernière seconde de Messi pour la fin de sa carrière internationale parce qu'il a 35 ans, il ne reviendra pas jouer une autre Coupe du Monde à 39 ans. C'est impossible. Nous en parlerons plus en détail durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est justement sponsorisée par l'application OneFootball. OneFootball, l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store. N'hésitez pas à télécharger à travers mon lien dans la description afin de ne rien manquer en temps réel de ce qui se passe dans le monde du football. Vous aurez la possibilité dans l'application de rajouter vos équipes préférées et de suivre du coup leurs actualités encore une fois en temps réel, vos joueurs préférés également. Et là, pour le coup, il y a la Coupe du Monde. Vous pourrez rajouter vos équipes nationales afin de consulter leurs actualités. Vous pourrez voir les compositions d'équipes, les notes des joueurs, les blessures parce que justement, là, il y a un article qui parle euh, du sujet dans lequel on va plonger aujourd'hui l'Argentine parce que l'Argentine va affronter la Croatie ce mardi l'Argentine de Messi aura fort à faire face à la Croatie parce qu'il y a des joueurs incertains des joueurs suspendus Acuna et Montiel sont suspendus ils ne pourront pas assister au match ce qui sera un gros handicap pour l'Argentine de l'autre côté tu as Di Maria ainsi que Rodrigo De Paul qui sont très incertains du coup ça ne sent pas très bon pour l'Argentine vous verrez toutes ces informations là sur l'application One Football en encore une fois le lien sera en description. Maintenant après avoir dit tout ça, vous savez, je sais pas mais j'ai le feeling, j'ai comme un pressentiment que peu importe les difficultés que l'Argentine va affronter ou a affronter durant cette Coupe du monde, j'ai l'impression que c'est leur destin d'aller la chercher, le destin surtout d'un homme, de Lionel Messi. En fait pour être plus précis dans mon feeling, j'ai l'impression que peu importe le niveau de l'adversaire qui aura en face ben ils trouveront le moyen de réussir à gagner, peu importe les circonstances. Que ça soit la France qui m'a l'air vraiment au dessus, même la Croatie qui a un milieu exceptionnel. Je me dis que normalement, si je, je suis ma logique football, ben, l'Argentine ne pourra pas éliminer la Croatie. L'Argentine ne pourra jamais battre une France qui, même en ne jouant pas bien, réussit à gagner. Ça, c'est ce que ma logique me dit. Mon bon sens, mon analyse football qui, si on est objectif aujourd'hui, tu regardes les équipes qui restent en lice en compétition. Ben, la France pour moi est ultra favorie pour être aujourd'hui candidate à sa propre succession. Ça, c'est ce que le bon sens, encore une fois, nous dit. Mais là, ce que je vous partage, c'est mon ressenti personnel, mon feeling, encore une fois, totalement subjectif, parce que si ça se trouve, la Croatie sortirait à l'Argentine ce mardi et on n'en reparlera plus. Non, là, je vous partage, encore une fois, ce que je pense uniquement. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel autour de cette équipe d'Argentine, parce que je n'arrive pas à expliquer que l'Argentine ait réussi à sortir. Les Pays-Bas, qui pour moi, étaient beaucoup mieux structurés que cette Argentine-là. Cette Argentine qui est beaucoup moins forte que l'Argentine qui allait en finale en 2014, qui avait des Macherano, des Di Maria en feu, etc. Aujourd'hui, tu as une équipe d'Argentine qui ne repose quasi exclusivement que sur Lionel Messi. Lionel Messi fait absolument tout dans cette équipe. Si les autres marquent, c'est souvent grâce à lui, c'est parce qu'il est impliqué. Sinon, ben, il n'y a pas de but. Si aujourd'hui, l'Argentine est en demi-finale, c'est pour moi, quasiment exclusivement grâce à lui. Il porte cette Équipe sur ses épaules. Alors, oui, il y a eu euh, des Rodrigo de Paul qui ont fait un boulot monstre à un moment donné. Emiliano Martinez qui est sur la continuité de sa Copa América. Ce sont pour moi les restes de cette Copa América parce que durant la Copa América, Messi, il avait du soutien. Il avait des personnes justement comme Di Maria qui était là, qui faisait le boulot. Là, Di Maria blessé malheureusement pour lui. Il avait des Los qui étaient incroyables durant la Copa América. Il avait euh, justement la Martinez qui lui était en forme, en pleine forme, qui pétait la forme. Rodrigo de Paul qui était toujours à un très haut niveau. Et derrière, une grosse euh, charnière et Dibou Martinez. Avec cette équipe-là, l'Argentine, elle était extrêmement solide. Elle jouait très bien au football, on l'a vu, même après la Copa América. Et c'est justement la raison pour laquelle beaucoup, dont moi... Pensions que l'Argentine était ultra favori durant cette Coupe du Monde. Parce que aujourd'hui, tu fais le parallèle avec l'équipe qui joue la Copa América, ce n'est plus du tout aujourd'hui la même équipe qui joue en Coupe du Monde. Alors non, les Julian Alvarez, les Enzo Fernandez sont de jeunes, très bons jeunes joueurs, mais ce sont leurs premières apparitions en Coupe du Monde. Ils font le boulot, ils font plus que faire le boulot, même je dirais, parce qu'à la base, ils n'étaient même pas censés. Partir titulaire, mais à cause des méformes et des blessures, ils sont là, ils font le boulot et du coup, tu dois les remercier pour ça. Mais est-ce que ça va tenir face à de plus grosses oppositions On le verra très bientôt face à la Croatie. Mais en attendant, bah, tu as qui pour sauver tout ça bah, Lionel Messi, du haut de ses 35 ans, 35 ans quand même. Moi, je ne m'attendais pas honnêtement à voir Messi jouer à un tel niveau. En Coupe du Monde, Lionel Messi est un homme en mission. C'est un homme qui ne veut reculer devant rien. Il est prêt à tout sacrifier pour aller gagner cette Coupe du Monde. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués ces derniers jours de voir Messi s'en prendre comme ça à Van Gaal. Mais en fait, Messi, pour les gens qui ne le savent pas, ça a toujours été un mec qui a eu des coups de sang durant sa carrière. Et quand je parle de coups de sang, c'est pas forcément dans un sens péjoratif. C'est plus dans le sens pour montrer le côté bad boy entre guillemets euh, du bonhomme. Parce que pour ceux qui s'en rappellent. Il a déjà eu des altercations avec des coachs sur la ligne de touche, je me rappelle de son altercation avec Vicente Moreno, pour ceux qui s'en rappellent, c'était en Liga. Vicente Moreno, coach de Mallorca à l'époque, qui expliquera par la suite, après bien après les événements, que ce qui s'est passé, en gros, c'est que ces joueurs, lui, en ont voulu de la défaite de son équipe face à Barcelone parce que il aurait énervé Messi sur la ligne de touche. Il n'arrêtait pas, voilà, de rouspéter sur les foot qui ne devraient pas être sur Messi, au point où Messi était tellement énervé contre lui, qu'il a dit à son ami Suarez, en rentrant dans les vestiaires à la mi-temps, qu'ils vont devoir mettre 7 buts à cette équipe de Mallorca. Bon, à la fin du match, ils n'en auront pris que 5 finalement, mais ça vous montre quelque part le côté vraiment rancunier de Lionel Messi. L'histoire avec Van Gaal, je l'avais expliqué la dernière fois sur Twitter, je pense que vous le savez tous maintenant. C'est voilà, aujourd'hui, Van Gaal est un coach, on le sait, qui parle franc, qui parle cash et n'a pas hésité à avoir des mots quand même assez durs envers Lionel Messi lorsque Messi était encore à Barcelone en le pointant du doigt comme un des responsables des problèmes du Barça. En parlant aussi avant le match contre l'Argentine de manière un peu arrogante, on va dire, mais ça c'est un peu propre, on va dire, au coach néerlandais en disant que l'Argentine a peur d'eux et qu'il joue à 10 avec Messi lorsqu'il n'a pas le ballon parce qu'il marche beaucoup et surtout surtout l'Argentine a eu des joueurs qui ont eu des problèmes avec Van Gaal par le passé dont un qui joue actuellement avec Messi Di Maria qui a eu de gros problèmes avec Van Gaal et surtout Surtout Riquelme, qui est une idole en Argentine, un ami très proche de Lionel Messi, que Messi admire énormément, qui lui aussi avait eu de gros problèmes avec Van Gaal. Van Gaal a cette réputation-là de ne pas aimer les joueurs sud-américains. Et quand tu mets tout ça bout à bout avec les déclarations récentes de Van Gaal avant d'affronter la même Argentine, bah forcément que les nerfs sont tendus et qu'il y a des joueurs qui ont des comptes à régler avec Van Gaal, notamment Messi, qui lui n'a pas oublié les déclarations de Van Gaal à son égard. Et je pense que c'est sa manière après le match en tout cas de régler son compte et de lui dire en gros ses quatre vérités maintenant il y a beaucoup de gens qui disent que Messi se maradonise mais Messi a toujours eu ça en lui c'est juste qu'il ne le montre pas assez parce qu'il laisse souvent passer les choses c'est pas un mec qui va réagir tout le temps à tout s'il si y a l'occasion de le faire il va réagir et il l'a fait moi ce que je vois là c'est un Messi qui est prêt à marcher sur toute personne qui se mettra entre lui et son objectif d'aller chercher cette coupe du monde il est déterminé il est en mission et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai cette sensation c'est vraiment de, de Manière un peu on va dire irrationnelle de penser que Messi est capable peut-être d'amener cette argentine jusqu'en finale de coupe du monde et de la faire gagner cette coupe du monde rien impossible avec lui après non je n'y crois pas uniquement parce que voilà c'est le destin ou quoi que ce soit non parce que cette argentine a également des joueurs de qualité malgré les absences malgré les joueurs en méforme les blessures les potentielles absences il y a malgré tout dans cette équipe autour de Messi des joueurs qui dans un bon jour peuvent faire gagner un match à l'argentine Lautaro Martinez n'est pas un mauvais joueur. S'il se retrouve d'ici la fin de cette Coupe du monde, il reste que deux matchs. Il peut apporter sa pierre à l'édifice. Di Maria, pareil, s'il revient de blessure, il peut apporter de grandes choses. Je ne parle même pas des jeunes. Enzo Fernandez et Julian Alvarez, eux aussi, sont capables de coups d'éclat. Donc, à gauche, à droite, par-ci, par-là, il y a des joueurs qui peuvent faire pencher la balance au bout d'un Messi est certes pas énormément mieux accompagné qu'en 2014 ou même lors de la Copa América, mais il y a quand même des éléments par-ci, par-là qui peuvent être des facteurs X. On a vu Molina, d'ailleurs, le latéral euh, lors du match contre les Pays-Bas, qui est capable d'être extrêmement offensif. Et justement, l'absence d'Akunia, pour moi, pourrait être un problème face à la Croatie. En fait, ce que je pense, c'est que si l'Argentine passe la Croatie, ils iront au bout. Ils iront chercher le trophée, peu importe l'adversaire. Après, encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle, ce n'est que mon feeling. Ça ne veut pas dire que voilà j'ai la science infuse ou quoi que ce soit. Ce n'est que mon opinion, mais c'est ce que je pense. Maintenant, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, mais je les vois. C'est un groupe qui a beaucoup trop faim pour euh, sortir vraiment de manière lamentable, comme c'était le cas face à la France, par exemple, euh, la dernière Coupe du Monde. Mais de toute façon, je pense qu'on sera fixé ce mardi face à la Croatie, que ce soit une victoire, une élimination, peu importe l'issue. Il ne reste plus que deux matchs pour Lionel Messi. Les amis, profitons. Ne nous quitte pas, toi que tu t'es inspiré de l'exactitude. Toi, que tu as, comme la lumière, cassé le cristal sans le tacher ni le casser, justement, tu vas laisser là-bas l'orphelin. C'est là qui va pleurer la première parce que tu l'es temps bien traités et tant bien l'aimé, ne nous quittez pas. Et nous tous ensemble, on doit justement préconiser cette attitude et vouloir que tu sois avec nous. Et pour ça, on y va.